comment vous allez. Là, nous sommes le dernier jour à Londres. Donc, on doit libérer la chambre parce qu'il y a les proprios qui vont venir nettoyer à quelqu'un qui vient après nous. Et là, bon, on est en train de faire nos valises, comme vous pouvez le voir. Là, je suis en train de finir ma valise. Lydie va m'aider à lisser mes cheveux très rapidement parce que j'ai pas pu les laisser. Donc, je fais vite parce que les proprios sont en bas. Je t'ai pris une cuillère. Merci, c'est gentil. C'est bien ça, ça, je sais pas. En tout cas, c'est un yaourt. C'est bon. Ça le goût parce que tu as fait. En vrai, ça m'a fait chier, mais j'ai passé une bonne vacances. Pas toi, pour moi, c'était drôle. T'as mis à fond? J'ai mis à fond. Good morning. Bon, les amis, depuis tout à l'heure, on vous a rien filmé parce qu'on est dans les transports et je vais pas vous mentir, ça commence à me faire chier cette histoire de transport et de Londres. Du coup, Lydia nous a réservé un dépôt de bagages. On va laisser nos affaires pour profiter de la ville, quoi. On va pas tarder à aller manger parce que j'ai vraiment faim. J'ai cru que j'allais encore tomber dans les pommes. Cette allure de faire une vidéo par jour et pas beaucoup manger, là, ça commence vraiment à me casser les bonbons. Mais en tout cas, là, on a déposé nos bagages. C'est un peu dans un mode cringe, genre, ça fait peur un petit peu. Attendez, je vais vous montrer la route. Ça se referme automatiquement? Est-ce qu'il faut on va ailleurs ou on mange là? Parce que s'ils ont du fish and chips, moi je vais bien. Regardez, ça fait un peu peur, on est dans un couloir bizarre et tout. Attendez, on passe là aussi. Genre c'est dans des lieux bizarres, très très chers. Là, on est en train de chercher un restaurant, on va manger un fish and chips. Je sais même pas on va le trouver où parce qu'en face de moi, nous avons un italien et juste à côté, c'est un truc coffee. Donc là, vous avez le restaurant italien et là, vous avez le coffee shop. Genre, vous pouvez voir là. Alors, ouais. Donc ça vaut le coup d'y aller, il y a des, c'est un mall. Ouais. D'accord. Tu visites en même temps. Ok. Cool. Et c'est pas trop busy en fait, c'est ça qui est cool. Ok. Bah voilà. En tout cas c'est gentil, bah, merci encore de m'avoir rencontré. Donnez le nom de ta soeur. Ruby. Voilà c'est ça. Bah, je te souhaite une bonne journée, rentre bien. Bonne continuation. Merci toi aussi, à la prochaine. Tu sais que j'ai rien filmé? De quoi? De ma rencontre avec elle. Je pensais filmer et quand je retourne le téléphone en fait j'ai juste appuyé. En tout cas les gars, je viens de rencontrer une abonnée à Londres et franchement je me suis jamais fait arrêter. Si, une fois. Ouais. Une seule fois, genre, j'étais en train de faire les courses, mais là, c'est la première fois qu'on m'arrête, genre, ah, mais toi, je te connais, tu vois, c'était pas, et je suis trop contente, genre, ça fait trop plaisir. Et elle m'a donné de la force, et franchement, j'étais plus dans un mood en ce moment où je voulais arrêter mes vidéos, je vais pas vous mentir, je te l'ai pas dit, mais je voulais un peu arrêter, ça me fait plaisir qu'on me donne de la force comme ça et de me dire que ce que je fais, ça sert pas à rien. La fille qui nous a rencontré tout à l'heure, Catherine, elle nous a conseillé d'aller là dans un petit marché londonien, je crois, et du coup, elle nous a dit qu'il y a des bons fish and chips là-bas. Attendez, je vous montre. Donc, dans cette ruelle-là. Tu te rappelles quand je suis venue la première fois, je vais manger un fish and chips, mais il fallait l'accord de toute la classe. Ouais, on pouvait pas manger genre en solo et le seul truc qu'on avait choisi c'était McDo, donc j'ai dit bon, ok. Et là je reviens, je vais rentrer sur mon fish and chips, c'est mort. Ah non non non, c'est mort. Les amis, là nous sommes dans un grand marché. On est en train de faire la queue pour aller acheter des fraises au chocolat. Attendez, je vous montre. Juste là. Et quand je vous dis qu'il y a du monde, c'est. Il y a vraiment beaucoup de monde, genre. Je viens de tomber dans une salade. Les gars, les fraises au chocolat, c'est 8 euros. 8 balles. Regarde. Thank you. Keep on moving, guys. Bon les amis, là nous sommes à côté du Big Ben, comme vous pouvez le voir. Bon les gars, là on est en train de marcher à côté du Big Ben et en fait je crois qu'il y a une manifestation pour la Palestine et ils sont en train de défiler juste à côté du Big Ben, donc ils ont bloqué la route et tout.
Bon les gars, là nous sommes à l'arrêt de bus. On a récupéré nos bagages. On est en train de rentrer. Donc là on doit aller, on doit prendre un bus qui nous dépose à London Bridge. C'est là où on est arrivé et on a pris le train pour aller justement à l'aéroport. Et après ça à l'aéroport on aura une heure pour enregistrer notre bagage, s'enregistrer nous-mêmes et arriver à l'aéroport. Est-ce qu'on s'est enregistré? On s'est toujours pas enregistré. On s'est pas enregistré. On s'est pas enregistré. Bon, et je revois à Londres. Au revoir. Bye. Je veux plus de Londres. On vous souhaite une bonne nuit et on dit au revoir. Et normalement, mon copain vient nous chercher à l'aéroport tout à l'heure, si tout se passe bien. Parce que là, même financièrement, on peut plus rentrer de nous-mêmes. Donc s'il vient pas, on dort. Hein. Franchement, blague moi, à part. Je campe. Ouais, non, mais clairement. Mais on rentre comment? Parce qu'avec leur ticket qui nous fait passer à... Faut que ça arrive. Je te jure. On croise les doigts pour que mon copain soit là.